Tout le monde s'applique ici, on se parle de l'épisode numéro 7 de Yo-kai Watch de Esprit Verse, Fantôme Psychique. Du coup, on avait terminé une calcule la dernière fois, il nous en restait deux à faire. Du coup, on va voir lesquelles c'est. C'était du coup officiellement officiel et Bam Bam Fusion. Bon, on va y aller. On va commencer du coup par officiellement officiel. Monsieur le Juste du Centre Associatif de Grandval dit que son travail consiste à expliquer les règles officielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller au Centre Associatif pour le découvrir. D'accord, donc à mon avis c'est sûrement pour les combats, tout ce qui est combats en ligne, etc. Hop, 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 du coup on se dirige vers là-bas. On va faire un petit stop, on va traverser comme d'habitude. Donc on n'a pas de petit cadeau, c'est pas grave. J'aimerais bien dans cet épisode qu'on améliore notre Yo-kai Watch. Enfin, qu'on y arrive, c'est pour que les quêtes ne soient pas trop longues. Mais il n'y a pas de raison. Je pense pas. On va réussir à faire ça en moins de 20 minutes hein, quand même. Alors bonjour. Du coup c'est là qu'il faut que j'aille. Okay. Ah, je suis sûr que tu aimes les combats des yokai, hein? Je suis Monsieur le Juste. L'association officiellement voit officiellement. Il a officiellement l'air casse-pied. Et je t'entends, tu sais. Quoi, vous pouvez voir les yokai? Bien sûr, je vais te donner un blâme officiel pour tes remarques. Un outrage de plus et tu seras officiellement pénalisé. Enfin bref, j'ai l'impression que les combats de yokai t'intéressent. Tu seras peut-être intéressé par les combats officiels. Les combats officiels pour les challengers qui veulent perfectionner officiellement leur yokai. Qu'est-ce que je lui en dis? Tu veux emprunter la voie officielle? Oui. Super, cette idée t'est chauffée avec un combat officiel contre moi? Ah, tu n'as pas préparé aucune équipe officielle. C'est quoi une équipe officielle? En temps normal, tu peux utiliser n'importe quel yokai pour te battre. Mais dans les combats officiels, il y a des règles officielles à respecter. Quel genre de règles parlez-vous? On ne peut avoir jusqu'à 2 yokai de rang S et 2 yokai de rang A. Aucune limite pour les yokai de rang B ou inférieur. Tu n'es pas restreint. Voilà, ce sont les règles officielles de l'association officielle. Alors 2 yokai de rang S et 2 yokai de rang A au maximum. Si ce sont les règles officielles, je peux me battre avec mes yokai. C'est probablement le cas. Sauf que j'ai oublié de te dire quelque chose. Les combats officiels se font grâce à l'appli de combats officiels. Seuls les groupes yokai enregistrés officiellement sont autorisés. Si on ne suivait pas ces règles, il y aurait des irrégularités non officielles. Vous remarquerez qu'à chaque phrase, il y a le mot officiel. L'appli des combats officiels, je ne sais pas si j'ai ça. Ton genre de chance, je t'offre l'appli des combats officiels. Ceux qui sont officiellement ouverts à tous ceux qui désirent y participer. Je vais immédiatement, j'en peux plus, installer l'appli des combats officiels. Merci. Combat. C'est bon, je peux utiliser l'appli des combats officiels. Touche le bouton équipe officielle. Ok. Donc oui, ça on sait. Merci Whisper, on prépare une équipe. Donc on a préparé une équipe, donc on n'a pas de rang S ni de rang A, donc ça va être compliqué. On prépare une équipe de combat. Du coup, équipe officielle. On modifie. Bon, on va mettre nos deux cailles de base. Hein, Jibanyan évidemment. Ainsi que Baku. Ainsi que Grand Appétit. Ainsi que Freezer, Loup Barbare et Samusrai. Oups, non, pas Cyberpew. Samusrai. Et c'était qui le dernier? Loup Barbare, voilà. Ok. Quitter. Ça va enregistrer, j'espère. Ok, c'est bon. Et j'ai pensé, ouais, en fait, le barbare serait bien de le garder comme ça, il va évoluer et tout, ce serait cool. Et c'est genre, tu as officiellement enregistré ton équipe officielle. En fait, si un combat officiel démarre et que ton équipe officielle n'est pas là, en inquiétude, elle sera invoquée automatiquement et officiellement. Ok, maintenant que tout est prêt, je vais te parler des combats officiels. D'accord. Les combats officiels diffèrent en deux points des combats. Les combats officiels diffèrent en deux points des combats à 6 contre 6. D'abord, il y a la notion de niveau. Tous les yokai apparaissent dans les combats officiels seront niveau 60. Ce service officiel est inclus pour que les combats soient officiellement justes. Je pense avoir compris la règle. Mais comment? Et aussi, les combats officiels se servent de la mort subite. On a officiellement décidé ça afin que les combats ne s'éternisent pas. C'est notre service inclus pour qu'un combat soit officiellement sans souci. D'accord. Très bien, commençons. Tu vas avoir un combat officiel contre moi. Hein, tout de suite? Naturellement. Tu as enregistré ta première équipe officielle? Tu veux la tester en combat? Je veux essayer. Super.
J'aime bien cette mentalité. Commençons alors. Ben, let's go. Espérons qu'il soit pas trop fort. Ok, c'est parti. Bats-toi. Allez, on va le défoncer. Normalement, nos amis ultimes ne sont pas chargés au maximum, hein, dès le début. Donc, c'est pas vraiment un combat officiel, là, ce qu'on fait. Ok, je dis Banyan, il fait ta petite fureur de chaton. Hop, est-ce que je vais les tuer? Fais-le gagner de force, ce serait ok. Tuez Fais-le, s'il vous plaît. Ok. Nous aussi, on va changer un petit peu. Hop, on va faire Freezer. Il est bête un peu. Il remercie le Kai, c'est très le Kai. Il aurait dû en mettre juste un seul. Tu sais, il y en a qu'un qui prend, ou deux maxi. Comme ça, il y en a qu'un qui prend les dégâts. Ok. Ensuite, il y a Looper Bar qui est prévu. Allez, c'est ça le gars. Ok, excusez-moi, ça a toqué ma porte. Mais c'est pas grave, du coup, j'ai défoncé l'équipe adverse. Formidable, impressionnant. Même si je me suis retenu, tu n'es pas mauvais pour un débutant. Un futur radieux et officiel s'étend devant toi. Merci. Le meilleur combattant se retrouve au grand tournoi officiel. Tu devras essayer de constituer une bonne équipe officielle. Oui, monsieur. Moi, je suis oublié. Avec la des combats officiels, tu peux toujours se battre contre les autres joueurs officiels, donc tu les as pour te battre plus souvent et améliorer tes compétences. Merci beaucoup. Bien, je crois que j'ai tout dit. Je te souhaite officiellement bonne chance. D'accord, oui, c'est le plus combat, oui. Ok. On a terminé la requête. Très bien, on n'a plus qu'une à faire du coup. C'est laquelle c'est oui, c'est la fusion. On va prendre à fusionner. Alors, force plus 18. Allez, force, vitesse. Hop, et on a la petite scène bonus qui fait plaisir. C'est parti. Deuxième jackpot en 6 vidéos. 7 vidéos. Quand même, on a de la chance. Export moyen. Ah, on essaie d'engager toujours plus de personnes dans les combats officiels. Je te donne une appli à tous ceux qui veulent commencer les combats officiels. Ce serait officiellement formidable si tu l'acceptais. Échange de médailles. Et voici l'appli échange de médailles. Tu peux acheter les médailles yokai en ligne ou en local. Dernière chose, tu as l'appli combat et l'appli échange. Je peux désormais. Tu peux utiliser officiellement le bouton tous les amis. Quand tu utilises le bouton tous les amis, tu peux combattre ou faire échanger avec tes amis en ligne. D'accord. Et les commentaires de l'appli contact. Fais attention à ce que tu partages. Je pourrais continuer et continuer et encore plus encore. Tu trouveras plus d'informations dans le menu aide. Voilà, ok. Donc je vais pouvoir échanger des yokai de mon ancien jeu Esprit Farceur à Vos Hommes Psychiques. J'ai pas prévu de mettre dans mon équipe, mais quand pour remonter le médaillium. Ça m'évitera de refaire absolument tous les yokai que j'avais déjà fait. Voilà. Et puis si un jour je remettre un yokai que j'avais une équipe depuis longtemps, c'est pas de problème. Du coup, maintenant on va devoir faire la dernière quête. Qui est Bam Boom Fusion. Donc on va activer la navigation. Et donc on va aller au temple de la voix. On peut même anticiper la quête si on a envie. Faudra qu'on devienne ami avec un tortico, il me semble. Ouais, on pourrait faire ça. On va voir, vous savez quoi, on va faire une petite expérience. On va voir ce que ça fait si. Parce que vous savez que je suppose que la plupart des gens qui regardent ce let's play ont déjà joué ou au moins ont déjà vu les vidéos du Clavage 2. En fait, si vous voulez, monsieur Zen, il va nous demander de venir avec Tortico pour le fusionner avec un objet qu'il a lui. Et donc, je sais où se trouve ce Tortico. Donc je me demandais genre qu'est-ce que ça fait si on devient ami avec lui avant que Monsieur Zen nous le demande. Voilà, ça peut être marrant. Et en plus je sais qu'il aime les bonbons. Voilà, je me souviens très bien de ce passage. Ah, là il y a un coffre. Comment on peut monter? D'accord, bon, on peut pas. Donc normalement c'est par là-bas qu'il faut passer. Il faut trouver des torticots. Des torticots. Ah, là, il y a des trucs. Carottes.
soit Whisper et Concombre, d'accord. Donc moi c'est un peu ça là, peut-être qu'il y aura des torticots dans le lot. Ouais, très bien. Du coup on va lui donner un chewing-gum. Et on va défoncer les autres. Voilà, c'est une petite expérience sociale. Allez, let's go. Est-ce qu'il meurt? Oui, ils meurent tous. Après, il faut savoir que j'ai banane, je l'ai bien monté de level, donc c'est normal que il tue tout le monde un peu rapidement. Niveau 7 pour le barbare. Ah non, c'est trop bête. J'allais dire, oh, on a de la chance. Ta force me donne la nausée. On pourrait être amis quand même. Oui, bon, ça, c'est pas grave, c'est bien aussi mort au bec. Non. En plus, c'est un rang D, je crois, non? Moi, je sais plus. Non, c'est peut-être un rang E, en fait. Ok. Bon, c'est pas d'ortico, c'est pas grave. On va trouver d'autres. Ah, elle est là, hop. Toi, on va lui donner les bonbons fruits, là. Hop. On va faire loup barbare. Ok. Gros dur. Un qui est mort. Ah, il a raté. Okay. J'allais le purifier, mais non, il a raté l'attaque. Donc tant mieux. Shiba Yan qui passe au niveau 10. Allez, s'il te plaît. Oh non! Du coup, j'ai même plus de bonbons là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il n'y a même pas lieu auquel que je veux. On va réessayer encore une fois. Et si on va essayer avec un truc qui n'est pas un bonbon. Et si on n'y arrive pas, on ira en acheter. Ça donne quand même pas mal d'argent. On n'a jamais dépensé notre argent. Donc, ok. De l'âme. Allez, bon là il y a plus... ah, s'il y a un éclat qui est apparu. Tortico. On est d'accord que ce n'est pas des bonbons. Alors les. J'aime bien. Hop. Ok. Bon, j'accélère parce que moi c'est pas très intéressant. Même pas le temps de le purifier. Allez, deviens notre ami là, s'il te plaît. Ce serait vraiment bien. Yes. Parfait, comme ça, je n'ai pas allé acheter des bonbons. Pas trop mal, devenons amis. Oui. Du coup, c'est bien, on va voir ce que ça fait du coup. Bon, ça va pas faire grand chose. Il va me dire, ouais, va le chercher. On va lui reparler, il m'a dit. Il va me dire, ah super, c'est nickel. Tu l'as déjà. Ok, on a obtenu un volume médaillum. Super. Du coup, on peut remonter. C'est bien, je suis content. On n'aura pas eu à faire de longs détours, etc. C'est cool. C'est cool. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous dire, le petit monsieur Zen hein? Il va nous expliquer tout le tralala de la fusion. C'est le yokai que tu amènes pour ça? Ça, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Oh, la fusion yokai, bien sûr. Ah, c'est quand on assemble un objet ou un yokai. Ils deviennent plus forts. Oui, c'est plus ou moins ça. C'est la fusion. C'est pas mal, l'ami yokai. C'est-à-dire d'essayer. Combien des yokai ou des objets, ils deviendront plus forts. Tremble ta patience, essayons. Oui. Bien voilà, c'est parti pour la fusion. J'étais négligent, moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, les yokai et les objets pouvant être combinés sont déjà déterminés. Par exemple, je peux fusionner Tortico si tu l'amènes, mais... Ah, je comprends, en ce cas, selon mes informations, Tortico se trouve à différents endroits du poteau fleuri. Le chemin secret près du temple de la voix semble pas mal non plus. Oups, attends, je viens de me souvenir d'une chose importante. Ah, quoi donc? Quand tu combattras Tortico, essaie de lui donner un bonbon. C'est son encas préféré. Il deviendra ton ami plus rapidement. Il y a une confiserie au couteau fleuri. Tu pourrais y acheter plein de bonbons. D'accord. Bon, allez, allons chercher tout ça. Voilà, donc il ne dit rien de spécial. Donc là, je reparle. On dirait que vous avez amené des Tortico. Et maintenant, fusion. J'étais négligent, moi. Il est vraiment négligent. Ça, là, tu vois, j'ai oublié de... Ah mince, j'ai oublié de le récupérer. J'ai appuyé sur un. Qu'est-ce que c'est? Je ne m'entraînais pas assez. J'ai donc utilisé ça pour prendre du muscle. Mais je crois que cet objet sert à la fusion. Nous l'utilisons plus ou moins de cette façon-là. Combiné avec Tortico et bam boum, je les fusionnerai. Viens voir si tu trouves un yokai ou un objet que tu peux fusionner. Je les fusionnerai aussi vite que je peux. Très bien, on aura au moins eu ça à Yuka.
Avec ça, tu pourras te mesurer à des yokai plus puissants. Tu as le pouvoir de combiner deux choses et... Donc on va terminer, c'est la quête la plus rapide du monde, vu qu'on avait déjà anticipé. Du coup, on va fusionner, on va faire la fusion entre, Tortico et les haltères, et on va le mettre dans notre équipe, parce que c'est quand même un yokai plutôt fort. Force ou esprit? Force, allez. On donnera à Jibanyan. Bon appétit. Raté. C'est pas grave. Ok, du coup, la suite de l'histoire est disponible. Très bien. Monsieur Belvi doit être arrivé au fil du temps, tu ne crois pas, Lucas? Allons lui parler. Ok, bonne idée. Et d'abord, on va fusionner nos yokai. Fusion. Alors. Hop. Mince, qu'est-ce que je fais? Je peux fusionner Grand Papetti avec avec du riz plein d'amour. C'est parti. De fait, puits sans fond. Ok, bah très bien, du coup ça repassera. Très bien, bon bah c'est cool. À mon avis, du coup, il doit être plus fort. Et on fusionne ça. Ça nous donne, du coup, comment il s'appelle? Tandino, c'est vrai. Non, c'est bon. Ah, c'est cool, on a eu un yokai en plus. Alors, Tandino, on va le mettre à la place de qui? Du coup, on va voir ça. Et toi, autre chose? Non, c'est bon. Alors, hop. J'ai un yokai. Alors, du coup, j'ai plus d'enfants dans mon équipe. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Info. Plus d'enfants, du coup, fringale. Comment des effets de la nourriture sur les alliés? Cool. C'est très bizarre. Macho et plein la panse. Comment on dise. D'accord, donc en fait il est beaucoup plus fort. C'est très bien, c'est un rang B en plus, c'est bien. Donc on va enlever du coup. Freezer, j'aime bien, j'ai pas envie de l'enlever. On va enlever Baku. Hein. Ça moussera, j'ai envie de le garder aussi parce qu'il va évoluer. Donc Tandino, hop, placé à la place de Baku. Hop. Donc le prochain, si on enlève le prochain yokai, ce sera Freezer du coup. Ok, bon, on a un peu toutes les tribus dans notre équipe, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va se rendre au fil du temps pour repasser notre yokai watch rang D. Et on s'arrêtera là du coup. Alors, on y va tranquillement. Il va falloir que je récupère ce coffre aussi, un de ces quatre, parce que ça va me stresser. Qu'il soit là, je sais pas du tout comment on fait pour récupérer, mais bon. Ah, il y a un égaronier là, je le suis, on va voir ce qu'il va me donner. Fais pas faire un trop gros détour s'il te plaît, ça serait bien. Bah si, il m'en fait un évidemment. Ah, ok, c'est bon, tu t'arrêtes là. Ok, alors c'est quoi? Pomme d'amour, ouais, c'est pas mal. Pas mal. C'est le meilleur objet pour devenir ami avec les yokai qui aiment les bonbons. Je pense, enfin je pense. Je suis quasi sûr. Ok, alors on va aller à l'horloger, chez l'horloger. C'est par là. Attention. Du coup, bonjour, on est de retour, est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est tout ouvert, génial. Ah, te voilà enfin, alors, bienvenue au fil du temps, je vais améliorer ta Yokai Watch illico. Enfin, illico après le petit service que tu vas me rendre. Encore? Un service? En fait, je suis à court d'herbe ancestrale. Un vieux monsieur comme moi est incapable de travailler sans en avoir bu. Ce serait gentil si tu pouvais aller en acheter chez l'herboriste. En avant, Lucas. D'accord, on retrouve l'herboriste. C'est la boutique Chlorophyto. Beaucoup de fleurs, couture-toi. D'accord, elle me donne même pas d'argent. Sympa, le mec. Enfin, je me demande. Ah non, peut-être qu'il a commandé du coup et il ne demandera pas de payer, je sais pas. Allez, on va à l'herboriste du coup. J'espère qu'il va rien nous demander d'autre parce que bon. J'aimerais bien terminer ma vidéo, moi. Hop, c'est par là. Monsieur Ito. Bienvenue, mon petit, que puis-je faire pour toi? Bonjour, monsieur Bellevue m'a envoyé récupérer quelque chose pour lui. Monsieur Bellevue, de fil du temps, t'a envoyé faire ses courses, c'est ça?
Très bien, je vais lui préparer sa commande habituelle. T'inquiète pas pour l'argent, je vais le mettre sur la note de Monsieur Bellevue, ça va. Waouh, l'herbe ancestrale. Merci, excellent, on va pouvoir bientôt améliorer notre yokai watch. Quand on a envie de voir Monsieur Bellevue à la boutique au fil du temps. Très bien. Allez, vite, on lui ramène ça. Vous avez vu le style de l'herbe, on dirait que c'est encore mieux qu'un remède puissant, on dirait. Alors, on peut pas l'utiliser, hein, mais... imaginez, genre, dans le Yokai Watch 3, on pourra l'utiliser ou un truc comme ça, je sais pas. Ça pourrait être cool. Bonjour. Voilà, de retour, je t'attendais. Est-ce bien ce dont vous avez besoin? Oui. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Très efficace, tu sais. Allez, vous pouvez améliorer le Yokai Watch maintenant? Oh non, arrête. Eh bien, tu vois, tu es très serviable, alors je me dis que... Quoi encore? On dirait que j'ai oublié mon vieux tournevis quelque part. J'imagine que c'était important. Vous l'avez-vous vu pour la dernière fois? J'ai oublié au magasin Brick et Brock dans le quartier des boutiques. Le gérant est un peu excentrique. Il n'ouvre ce magasin que la nuit. Il n'y a pas le temps d'y aller car au fil du temps... me suis occupé même la nuit. Par mes frisettes, je crois qu'on va devoir y aller à sa place. Sauf qu'on n'a pas le droit de sortir la nuit. C'est vrai, mais quelque chose me dit que ça ne sera pas un problème. Baku va aider. Baku? Splendide, grâce à ton ami Baku, tu n'auras aucune difficulté à sortir. Oui, Baku mange les dodos. Tu n'es pas fatigué la nuit, tu peux sortir facile. Et si maman et papa s'en rendent compte? Ah, t'inquiète pas pour ça. Baku se déguise en toi. Piège maman, piège papa, Baku. Mais, monsieur Bellevue, il n'a aucun scrupule, quoi. Je suis un gosse, il faut que je sorte là en pleine nuit. Enfin, quand même, le Yokai Watch est un peu bizarre. Hein. Voilà, ce sera plus facile de sortir et récupérer le tournevis, n'est-ce pas? C'est vrai, bien joué, Baku. Eh bien, rentrons vite à la maison et laissons Baku se préparer pour ce soir. Et donc, on rentrera à la maison la prochaine fois, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Du coup, on n'aura pas amélioré la Yokai Watch en D pendant cet épisode. Mais c'est pas grave. On la fera la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous retrouverez bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.